Motus, votre jeu de mots quotidien sur France 2. Et aujourd'hui, nous accueillons avec grand plaisir Véronique et Thérèse. Et toutes les deux joueront face à Evelyne et Lisette. Une émission 100% féminine, vous l'avez bien compris. Donc merci d'accueillir l'homme de la situation, Thierry Beccaro. Bonjour, je m'occupe de tout, vous avez raison Myriam, je l'homme gère. L'homme de la situation, gère. Tout à fait. Oui, oui, c'est vrai que c'est, on est tous les jours, on est là, du lundi au vendredi. On pourrait se dire que c'est tous les jours la même chose. Non, nous sommes là tous les jours, mais à chaque fois c'est différent. On passe des moments formidables. On fait connaissance avec des candidats, des candidates remarquables. La preuve, tout de suite, Thérèse et Véronique. Je ne peux pas faire mieux. Je ne peux pas mieux vous accueillir. Des candidates formidables. Voilà, après, il faut le prouver. Hein. Oui. Vous venez d'où, Véronique ? Du Lot-et-Garonne, de Castelnau de Grattecambe. Oh là là, c'est trop long. C'est trop long, malheureusement. Donc, hésitation, la main passe. Qu'est-ce que vous faites dans la vie, Véronique ? Je suis responsable d'un rayon de poissonnerie dans un supermarché. Ça va bien, ça marche bien, sans problème. Sans problème, ça se passe très bien. Très bien, merci d'être avec nous, Véronique. Merci. Thérèse, qu'est-ce que vous faites et d'où vous venez, surtout ? D'où venez-vous ? Je viens des Yvelines, de pas loin du zoo de Thoiry, pour vous situer, et je suis retraitée. Bon, et vous vous êtes connue de quelle façon vous êtes, J'ai eu la malchance d'être convoquée plusieurs fois, à chaque fois d'être en indisposition, malade. Et donc, C'est-à-dire que non, c'était pas la malchance d'être convoquée, c'était un bonheur. on pourrait mal le prendre. Manque de peau, je ne voulais pas venir, mais on m'a appelé, on m'a forcé à venir. Donc du coup, j'ai fait comme si, bon, je me dis, je suis en arrêt maladie, donc je ne peux pas venir. Non, malheureusement, vous n'étiez pas apte à venir jouer. Maintenant, ça y est. Voilà. Et vous êtes avec Véronique. Bonne chance. Merci. Vous jouerez contre Lisette et Evelyne. Bonjour Lisette. Bonjour. Ça va ? Ça va très bien. D'où venez-vous ? De Haute-Loire, du Puy-en-Velay. Magnifique. Oui. Superbe. Oui. Ah oui, non mais vous y êtes. Voilà. Vous faites plus attention, c'est comme les Parisiens. Voilà, tout à fait. Voilà. Moi qui passe dans la région parfois, je me dis, mon Dieu, ce que c'est joli, mon Dieu, ce que c'est beau. C'est très joli comme ville. Voilà, donc si vous avez besoin de quelqu'un pour l'office du tourisme, je suis là. D'accord. Hein ? D'accord. Parce que là, vous n'avez pas l'air emballé des masses, là. Non, le Puy-en-Velay, c'est sublime, c'est sublime. Oui. Vous travaillez, Isette ? Oui, je travaille. Je suis agent de proximité dans une grande société d'HLM, voilà. Et vous, Evelyne ? Et ben moi, j'arrive aussi de Haute-Loire, mais d'un petit village qui s'appelle La Voûte-sur-Loire. Magnifique. Oui. La Voûte ? La Voûte. La Voûte-sur-Loire ? C'est sublime. C'est sublime. Oui, mais je suis obligé de le dire, parce que vous habitez sur place, vous ne voyez plus. Ah oui, c'est les gorges de la Loire. Mais vous ne voyez pas les petits plaisirs de la Voûte ? Eh oui, non, je ne les vois plus. À la Voûte ! Moi, j'habite à la Voûte. Bon, vous travaillez, Evelyne ? Non, je suis sans activité. Bon, en tout cas, je suis ravi de vous accueillir. Merci. C'est une première ? Non, deuxième. Non, vous avez déjà joué avec nous, Evelyne. Alors, c'est la Voûte ou la Voûte ? La Voûte. Thierry ! C'est la Voûte ? Oui, oui, oui. La Voûte sur Loire. Oui, bon, ben voilà, c'est réglé maintenant. C'est bon, mais bien achevé. On va mettre ça sur le coup de l'émotion, je sais. C'est ça, voilà. Absolument. Evelyne, voici une grille pour commencer la partie. Merci. Avec un numéro magique. Si vous tombez dessus, vous êtes tranquille. Le 51 qui vous permettra de continuer à jouer malgré les boules noires. Véronique, Thérèse. Le 32, voilà, mesdames, le 32, ce sera votre numéro magique. Le montant de la cagnotte, Myriam. Et le montant s'élève aujourd'hui à 1000 euros, alors bonne chance à toutes. Evelyne, vous avez choisi des mots de... 9 lettres. 9 lettres, parfait. Vous commencez quand vous voulez. Voici la lettre T. Touaille, T-O-U-A-I-2-L-E-S. Temporaire, T-E-M-P-O-R-A-I-R-E. Allez, voilà. Il est oui, malheureusement, c'est trop long.
Et c'est Véronique qui va profiter de la lettre bonus. Et c'est la lettre E. Ténébreux. T-E-N-E-B-R-E-U-X. Téméraire. T-E-M-E-R-A-I-R-E-S. R-E. C'est le début, c'est la petite émotion et tout. Donc vous parlez chacune votre tour. Hein. Parfois, je ne vais pas forcément dire à vous de jouer d'accord, Thérèse. Oui. Allez-y. En tout cas, vous avez 8 secondes pour proposer un mot. Ça, c'est important. Evelyne, une autre lettre bonus. C'est le R. Téméraire. T-E-M-E-R-A-I-R-E. Et ça fait 50 points. Evelyne, allons-y. Vous mélangez. Lisette. Et vous jouez cette fois-ci, Lisette, et je vous rappelle que nous cherchons des mots de... Oui, Lisette. Oui, c'est moi. Alors... Bon, sur la voûte, j'étais un peu juste, je le reconnais. Mais sur Lisette, je ne me trompe pas, c'est bien vous. C'est moi, oui. Donc c'est à vous de jouer et le mot commencera par un N. Naturel, N-A-T-U-R-E-L-L-E. Natation, N-A-T-A-T-I-O-N-S. Navigant. N-A-V-I-G-A-N-T-S. Notarial. N-O-T-A-R-I-A-L-E. National. N-A-T-I-O-N-A-L-E. Ah, voilà. Et là, je vous reconnais, là. Ah, quand même. Eh oui, ça, voilà, j'ai dit, ça, c'est Lisette. Ça, c'est la Lisette qu'on aime. Oui. Celle qui trouve le mot. Voilà. Vous mélangez Lisette, s'il vous plaît. Parfait. Allez, nous continuons. Evelyne. Oui. Avec un C. Coudray. C-O-U-T-R-A-I-E-S. Concocté. C-O-N-C-O-C-T-E-R. Chocolat. C-H-O-C-H-O. Chocolat. Chaud, 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 cacao. Ah-pa-da-da-da-da. Mais vous aimez Annie Cordy, mais vous avez raison, Evelyne. Oui, j'adore Annie Cordy. Eh bien voilà, et ben, vous avez, ben, moi aussi, la preuve, c'est que je connaissais le début de la chanson. Oui. Alors, bon, j'ai pas tout ce qui va avec. Et en tout cas, Annie, on l'embrasse très fort, voilà. Oui. Qui n'aime pas Annie Cordy, honnêtement. Hein, mais vous avez apprécié quand même. Oui. Moi, j'ai illustré tout de suite. Oui, oui, tout à fait. Alors, Véronique, la lettre bonus. Châtelain, C-H-A-T-E-L-A-I-N. Chanson, C-H-A-N-S-O-N-S. Bon, Thérèse, qu'est-ce qui se passe? Je ne vous reconnais pas. Alors là, autant je reconnais Lisette, mais alors là c'est pas la Thérèse que je connais. Hein. Evelyne, la lettre bonus. Alors, chocolat, C-H-O-C-O-L-A-T-S. Chuchoter, C-H-U-C-H-O-T-E-R. Chuchote, C-H-O-C-H-O-T-T-E. Oui, mais évidemment, c'était pour elle, elle. C'est elle, c'est elle qui a...
Evelyne, elle a pensé tout haut pour elle-même en disant « Ah oui, d'accord, c'est chochotte. » C'est ça, c'est ça. Oui, c'est ça. J'étais là, j'ai vu, j'ai assisté à la scène. Voilà, vous étiez témoin. Je suis témoin. Oui. Allez, vous mélangez, Evelyne. Alors, il y a un petit 61 là qui se cache dans le coin, Lisette. Non. Oui, non, non. Oui, c'était 61. Et la petite coupelle, c'est prévu pour le numéro magique. Ah, d'accord. Et voilà, les boules noires, on s'en débarrasse. C'est mieux. Derrière. C'est mieux. Bon, Véronique, moi, ce qui me ferait plaisir quand même, et je ne suis pas le seul, j'imagine, c'est que vous marquiez 50 points. Mais oui, ça serait bien. Allez, voici un E. Enfoiré. E-N-F-O-I-R-E-E-S. C'est là-dessus que vous pensez marquer. Effronté, E-2-F-R-O-N-T-E-S. Enamouré, E-N-A-M-O-U-R-E-E. Effondré, E-2-F-O-N-D-R-E-E. Effondré, E-2-F-O-N-D-R-E-R. Thérèse, vous voyez que les camions, quand il y a marqué véhicule exceptionnel, très très long, qui fait au moins 15 mètres, oui. C'est la longueur du panneau jaune qu'on vous adresse. Vous voyez ? Il n'y a pas la place, on ne peut pas le faire rentrer dans le studio. Quoi. Ça sortait pas ? C'est la gorge. Ah là là, ça c'est terrible. Ouais, c'est terrible. Hein. Bon, mélangez Thérèse, allez-y. Oui. Ça, c'est la gorge. Non, mais c'est la gorge. Là, vous regardez le numéro et tout, on pourrait croire que c'est les yeux. Non, non, non. 16. Non, mais allez, alors, si c'est la gorge, vous allez au bout, hein, vous jouez le jeu. Hein Thierry, oui. J'ai failli vous dire 91, mais j'ai dit ça n'existe pas, donc... Oui, oh, je vois à quoi vous faites référence. Véronique, à vous de mélanger. 'Et vous, ça vous fait rire, et pourtant, Evelyne a la main, ça ne l'amuse pas du tout. Parce qu'elle est concentrée, et elle a bien raison. C'est Evelyne. Ça. Allez-y. Poulaine, P-O-U-L-A-I-N-E-S. Plaintive, P-L-A-I-N-T-I-V-E. Parafait. P-A-R-A. Alors. Hein, voilà, le problème, l'émotion. Il est là. Le problème, il est là, mais c'est surtout que ça va faire... c'est la bonne affaire pour Véronique. La lettre bonus, c'est la lettre A. Paillarde. P-A-I-2-L-A-R-D-E. Paillage, P-A-I-2-L-A-G-E-S. Payotte, P-A-I-2-L-O-2-T-E. Alors, je me permets de préciser, hein, Evelyne Lisette, je sais bien que vous aimez ce jeu à la folie, mais ne réfléchissez pas tout haut. Voilà, on ne parle pas dans la première partie. Voilà, même si on pense, on dit à sa copine, ah ouais, je pense que non, c'est pas mal. Rien. D'accord. Rien, parce que sinon... Vous allez être sanctionné, ce serait dommage. Evelyne, la lettre bonus, le E. Paillette, P-A-I-2-L-E-2-T-E. Evelyne, vous mélangez, s'il vous plaît. Le 61 rapporte 100 points.
21. Alors, le 5, c'est bien aussi, Lisette. Ça, vous pouvez tourner la boule dans tous les sens. Hein. Alors, 2-1 côte à côte, c'est ce que ça peut bien faire. 2-1 côte à non, côte. Non, mais c'est mal imprimé dessus. Ah, s'il vous plaît, réclamation. Oh. On me réimprime le 11, s'il vous plaît. J'ai pas de problème avec les candidats. Voilà, Lisette, ce sera pour le prochain jeu, Thierry, parce que là, on va faire le dernier mot. Hein. Mais on fera on ça réimprimera pour... les boules après, c'est promis. Mais on fera ça, effectivement. Merci. Vous ferez ça, Myriam. Merci, avec oui, plaisir. Oui, tout à fait. Pour la prochaine émission. Vous les referez toutes, d'ailleurs. Ça fait un petit paquet, quand même. Hein. Lisette, dernier mot, à 100 points. Hexagonal, E. Aïe. Ça, c'est important, hein, parce que vous trouvez ce mot, vous marquez 100 points et vous mélangez derrière, Véronique. Hexagonal, H-E-X-A-G-O-N-A-L. Alors, maintenant, il faudrait tomber sur déjà un bon numéro qui vous permettrait de marquer 100 points. Qui veut y aller ? Véronique ? Oui, allez. Allez. Alors, le 40, qu'est-ce que ça donne, le 40 ? Non, on va s'arrêter là, parce que vous ne pourrez pas faire le fameux motus. Non. Et on va vous applaudir très fort. Merci. Thérèse, Véronique. Et saluer la performance de Lisette et d'Evelyne. Bravo. Eh bien, les cadeaux, ce sera pour vous, Véronique. Merci. Thérèse. Merci. Et toutes les deux, vous gagnez un bulletin météo permanent à domicile avec votre station météo La Crosse Technologie qui prévoit le temps avec 4 jours d'avance. Et Home Air Vacances, location de Mobile Home, vous offre un séjour de vacances dans l'un de ses camping villages. Home Air, des séjours à vivre en famille ou entre amis. Thérèse, Véronique, quoi qu'il en soit, ça a été un plaisir de jouer avec vous. Et puis, on s'est bien amusé surtout. Voilà. On a passé un bon moment. Et soignez-moi cette gorge, s'il vous plaît. Allez, on file en super partie. Et aujourd'hui, il y a 1000 euros à gagner. Pour participer à Motus, contactez-nous au 01 56 22 2000 ou sur motus.france2.fr. Pour nos prochaines sélections, vous pouvez nous retrouver le jeudi 18 juin à Brest, le vendredi 19 à Quimper, le 20 à Rennes, le 26 à Châlons-en-Champagne et enfin le samedi 27 juin à Paris. Alors n'hésitez pas à y composer à tout moment de la journée le 01 56 22 2000 ou bien rendez-vous sur motus.france2.fr. Le puits en Velay est à l'honneur aujourd'hui grâce à Lisette et à Evelyne. Enfin, c'est à côté. Hein, c'est à côté. La voûte, sur Loire. Vous avez 5 minutes pour trouver 10 mots de 9 lettres. Et après, vous repartez avec 1000 euros. Hop, toc, toc, toc. Impeccable. On y va ? Allez, on y va. Allez, bonne chance. Merci. Mémoriser. M-E-M-O-R-I-S-E-R. Baudrois, B-A-U-D-R-O-I-S. Baudrois, B-O. Boucherie, B-O-U-C-H-E-R-I-E. Bouclette, B-O-U-C-L-E-D-T-E. Digestif, D-I-G-E-S-T-I-F-S. Digestive, D-I-G-E-S-T-I-V-E. Digestion, D-I-G-E-S-T-I-O-N. Touaille, T-O-U-I-A. Touchante, T-O-U-C-H-A-N-T-E. Tacheté. Vas-y.
Tacheté. T-A-C-H-E-T-E-E-S. Taciturne. T-A-C-I-T-U-R-N-E. Tactile. T-A-C-T-I-C-L-E-S. Inavoué, I-N-A-V-O-U-2-E-S. Inaudible, I-N-A-U-D-I-B-L-E. Hautaine, H-A-U-T-A-I-N-E-S. Houssé, H-O-U-2-S-A-I-E-S. Horloger, H-O-R-L-E-R-G-E-R-S. Ah, ouh, qu'est-ce que j'ai dit ? Horticole, H-O-R-T-I-C-O-L-E. Hortensia, H-O-R-T-E-N-S-I-A. Roumaine, R-O-U-M-A-I-N-E-S. Rossignol, R-O-2-S-I-G-N-O-L. Résultat, R-E-S-U-L-A-T-A-S. Résultat, R-E-S-U-L-T-A. Il ne veut pas venir. Rincement, R-I-N-C-E-M-E-N-T. Ruisseler, R-U-I-S-S-E-L-E-R. Oh, ça a quinté. Farandole, F-A-R-A-N-D-O-L-E. Française, F-R-A-N-C-A-I-S-E. Francfort, F-R-A-N-C-F-O-R-T, Francfort. Soupeser, S-O-U-P-E-S-E-E-S. Sculpture, S-C-U-L-P-T-U-R-E. Sculpteur, S-C-U-L-P-T-U-R-E. Eh oui, voilà, terminé. Combien de mots ? 7. Ah, j'ai fait des erreurs, hein. C'est pas mal, 7 sur 10. Mm. Il y a eu beaucoup de petits mots avec des lettres inversées. Les résultats qui n'étaient pas bons, hein, là, franchement. Non, ils n'étaient pas bons. Les résultats de vos examens, là, ça ne va pas du tout. Pas bon du tout. Vous avez inversé souvent les lettres. Donc, évidemment, vous perdez du temps. Donc, nous aurons le plaisir de nous retrouver. Eh bien, oui. Mais ce sera avec joie, bien sûr. Et il y aura 1 000 euros de plus la prochaine fois. 2 000 euros si nous faites le plaisir d'être des nôtres. Vous savez que vous serez les bienvenus. De toute façon, passez une excellente journée. À bientôt. Vous pouvez continuer à jouer avec nous sur le site motus.france2.fr, mais également sur les applications mobiles et tablettes.